pe baro et na barak sur le prochain agenda qui va aider le programme de coopération Mali-UNICEF pour la période 2020-2024. Donc l'idée c'est de voir comment l'UNICEF va contribuer à l'agenda qui est défini par le CRED pour la période 2019-2023. Maintenant nous travaillons sur le programme UNICEF, gouvernement du Mali-UNICEF pour la période 2020-2024. Voilà, en fait, les travaux de groupe ressortent clairement que des résultats ont été obtenus pendant le cycle dernier et le cycle actuel qui court depuis 4 ans. Et l'idée ici et la recommandation forte qui vient donc des différents groupes, c'est comment est-ce que nous faisons les choses différemment pour accélérer sur les résultats qui ont été obtenus, mais aller davantage de l'avant. Nous avons par exemple constaté qu'il y a un enfant sur 3 dans ce pays en dehors de l'école. L'idée c'est de voir comment est-ce que nous travaillons pour qu'il y ait plus d'enfants à l'école, mais en même temps comment nous travaillons pour que la qualité donc, de l'enseignement s'améliore. Évidemment, il n'y a pas que l'enseignement, il y a également les questions de la protection de l'enfant, il y a les questions donc, de santé, il y a les questions de malnutrition qui en réalité tourne autour donc de l'enfant. Donc au-delà de tout, en dehors des partenaires du gouvernement que nous avons également... Je voudrais d'abord commencer mon intervention par cette citation que Gandhi disait, commencer par changer quand vous voulez changer quand vous voulez. Dans les priorités nationales... Nous avons constaté que le peuple... Les mères qui travaillent dans le cadre donc du développement de l'enfant. Bien sûr, la question du genre est une question qui, en réalité, traverse tous les secteurs. Lorsque vous prenez l'éducation, vous constaterez aisément qu'il y a moins de filles à l'école que de garçons. Quand vous prenez les questions donc de protection de l'enfant, les questions de mariage précoce, vous allez constater encore une fois que nous parlons de la fille. Et dans le même temps, nous reconnaissons le rôle de la femme dans nos différentes familles. Et l'idée, c'est de prendre en compte son rôle et de travailler pour que cette disparité soit corrigée, que ce soit dans le secteur éducatif que dans les autres secteurs. Bon, l'appel principal, c'est que nous continuons, que le gouvernement continue d'être, comme on le dit, le leader, que le gouvernement gère l'agenda. Et que nous, UNICEF et tous les partenaires qui travaillent sur les questions de l'enfant, que nous appuyons le gouvernement. Et comme ça, nous aurons plus d'appropriation, comme ça, nous aurons de la durabilité dans les résultats que nous obtenons, et comme ça, nous aurons également l'institutionnalisation donc des solutions que nous trouvons pour que l'enfant malien, qui est le futur du Mali de demain, soit bien formé et soit préparé pour être une bonne relève. C'est hier qu'on a commencé. On va continuer à travailler ensemble. Nous sommes là à votre disposition, vos collègues de tous les protégeants. On est convaincus de l'importance d'avoir les enfants, les filles au centre de cette prison. Mais c'est bien aussi qu'on peut vraiment élargir les partenariats. Et encore une fois, merci. On va continuer. On a... Et encore une fois, merci beaucoup. Bon repos et à la prochaine. Merci.